Elon Musk est un mec qui est certainement celui qui a la plus grande culture numérique. Oui. Le mec, c'est un geek, c'est un troll. Oui. C'est quelqu'un qui a une très grande finesse des sujets du numérique. Je ne parle pas en tant qu'entrepreneur, je parle en termes de code. Mm. Ce que je veux dire, c'est que quand il envoie, quand il fait décoller une fusée SpaceX, habitée, l'habitacle de la fusée, elle ressemble pas à un habitacle de Boeing 747 sous stéroïdes version NASA. Ça ressemble à 2001 l'Odyssée de l'espace. Deux écrans super clean, super lean. Les tenues que les mecs portent sont directement inspirées de 2001 l'Odyssée de l'espace. Et ça ressemble pas à un truc moche orange ou blanc ou gris. Voilà. Quand ils balancent une... Alors, on pense ce qu'on veut. Mais quand ils la balancent en orbite, une Tesla... c'est vrai qu'il a fait ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le tableau de bord de la Tesla ? Il y a marqué « Don't panic ». Et « Don't panic », c'est directement tiré de H2G2, le Hitchhiker Guide of the Galaxy, enfin le guide intergalactique du voyageur intergalactique, qui est un des bouquins que vous pourriez lire, d'ailleurs. Je peux citer celui-là aussi comme bouquin de chevet. Salut Damien. Salut Alexandre.